Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, cette fois consacrée encore une fois à du Force of Will, avec le booster sorti également début mars, la sorcière manipulatrice du temps, que j'aurais dû également avoir lors de la commande de mon deck, mais que je n'ai pas eu grâce à mon fournisseur troyen, comme expliqué à la fin de la dernière vidéo. Alors, j'espère que vous m'en voudrez pas, sachant que c'est assez compliqué de filmer d'une main et d'ouvrir les boosters de l'autre. J'ai déjà préouvert les boosters pour pouvoir facilement récupérer les cartes. Alors, je dis facilement, mais vous allez voir que je vais galérer. Hop. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dans les boosters. Toup. Donc, premier booster. Donc, on va avoir. Hop. L'esprit du mont Oel. Top. Je vous laisse mettre pause comme d'habitude pour lire l'effet de carte. Petit feu. Top. Deuxième carte. L'hôtel retourneur d'âme. Voilà. Top. Le réflecteur de feuilles. Le dragon domestiqué. Le dinosaure Elnoir. Elnoir, ça me fait très penser à du Yugi, mais bon. Voilà. Le lapin géant. Oh, il y a un petit lapin derrière. Bref. Voilà. La carte foil du paquet. Sphère de l'Ultra Dragon. Je sais pas si vous pouvez bien lire l'effet. Top. Voilà. Ève, raconteuse d'histoire. Panda possédé. C'est une des cartes un peu particulières qu'on a dans cette extension. Top. Je sais pas si ça existait avant. On a un côté lumineux et un côté. D'ailleurs, ça doit être la merde à jouer ça. Faut retourner dans la sleeve, c'est la merde. Et la sphère de l'Ultra Dragon encore no foil pour le coup. Donc voilà pour le premier booster. Voilà. Pour le second. On va avoir Dragon volant du mont Oel. Hop, c'est vrai que je vais peut-être un peu vite si jamais vous voulez mettre pause. Le artiste martial novice. Le vent de l'orite. Le renouveau du clan. Bouclier de foudre. Ça se fait la malle là-bas. Artiste panda. Non, non, pas celle-ci. Pas tous les pandas quand même. La foil giga poisson tonnerre. Le sombre impact. Je sais même pas pourquoi je regarde derrière celle-ci, c'est un champ. Le contrôle des pensées. Et l'insurrection de l'élémentaire maléfique. Tout. Voilà pour le deuxième booster. Troisième booster donc, avec Néantosaure. Panda gemme marteau. Je vais regarder vraiment derrière tous les pandas. Appel du tonnerre. Je sais pas pourquoi je regarde derrière, je suis débile. Dragonoïde féru de combat. Non. Oup.
Concentration d'âme. Manger ton âme. Putain, faut que j'arrête de regarder derrière systématiquement. L'étreinte des ténèbres. Putain, à chaque fois j'ai des full art, quoi. Enfin, les feuilles, elles sont full art, là. C'est nice. Le panda trempé. Je vais regarder derrière tous les pandas, ça fait... c'est ignoble. Méphistophélès. Celle-ci, je sais que parce que j'ai déjà ouvert des boosters en fait de cette extension il y a quelques jours et je sais que celle-ci a un autre côté, sachant que j'ai une foil du côté ténèbres, mais pas de l'autre. Elle est foil d'un côté, mais pas de l'autre, c'est phénoménal. La marche joyau. Et le panda chevalier du trésor. Ça regarde vraiment derrière tous les pandas, c'est ignoble. Ah, désolé pour le temps, hein, c'est devoir de récupérer chaque fois. L'intervention de réalité. L'approcher de la vérité. Ménestrel changeant. Ah, ça fait trois cartes d'éléments vent là à la suite. Hein, Vision de Scarlet. Ombre de la flamme creuse. Oh, un Cthulhu. Désolé, j'étais en train de lire les faits. Les derniers jours des pantins. Ça, c'est pour un deck pantin, sans blague. Les derniers jours des pantins. Bah, c'est exactement la même, mais en foil. Ça te roule le cul. Merci Faux de faire ce genre de choses. Agonie de Scarlet. Suppression magique de Lorite. Illusion du néant. C'est une Cthulhu aussi, mais je perçois pas. Néant. Ah, d'accord, j'ai vu qu'il y avait une carte qui était qui était dans les deux sens. Donc la petite baleine qui est toute kawaii. L'immense effigie, je crois que non, celle-ci n'y est pas. Putain. Je confonds avec. Attaque féroce. Je sais pas si vous avez. Quand tu veux que tu fais la mise. Merci. Le Carlazodon fou. Marionnette de Scheherazade. Le pantin de ménage. Ça en fait des pantins. La foil Keys, le dauphin électrique. Sérieusement. Mokhtar. Le sombre impact. Déjà vu tout à l'heure. Le château de ténèbres, palais du désespoir. Et au final, il y a quand même des additions. Château de lumière, palais de l'espoir. Ah ouais, d'accord. Et Genie maléfique. Putain, j'ai du mal. Donc voilà pour les sorties de ces 5 boosters. Donc ça fait 50 cartes. Pas possible de se faire un deck malgré les 50 cartes autorisées, puisqu'il nous faut des pierres magiques et qu'on n'en a pas sorti une seule de toute façon. Voilà. Là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de futures vidéos sur la chaîne. Allez, à ciao, à plus.